Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de la radio Arc-en-Ciel, ceux qui nous suivent via YouTube, ainsi qu'à toute l'équipe de Jésus et mon guide. En ce mardi 18 mai 2021, nous fêtons Saint-Éric de Suède. Joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent aujourd'hui. Tout spécialement, joyeux anniversaire à toi Erin, la Benjamine de l'équipe qui m'a fait le plaisir d'être avec moi aujourd'hui pour cette séquence. Avant de vous proposer la lecture qui sera lue par Noah et Léa, je vous propose un chant. Des apôtres, chapitre 20, versets 17-27. En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous. Depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public
ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant juifs et grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous, chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Parole du Seigneur. Conscient de sa mission, des épreuves, des difficultés qu'il va rencontrer, et même de la mort, Paul sait qu'il n'est pas seul et qu'il est animé par l'Esprit Saint. Son but, c'est rendre témoignage à l'Évangile. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons cette mission, rendre témoignage que Dieu est bon, que Dieu est amour, et pour que nous vivions notre vie chrétienne, il nous donne l'Esprit Saint, l'Esprit du Paraclet, pour agir aussi avec et dans son amour. Nous allons maintenant écouter Irine pour le psaume 67. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse. Et quand il défaillait, toi tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais. Dieu qui est bon pour le pauvre. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni, jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu de la victoire. Et les portes de la mort sont à Dieu le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. La séquence se termine. Merci à Léa, Noah et à toi Irine d'avoir partagé la séquence avec moi. Rendons grâce à Dieu pour ce jour particulier pour toi, Irine. Et en ce mois de mai, confions nos prières et nos familles à notre Maman du Ciel. J'ai choisi la chanson d'Anne Pirot, Marie Douce Lumière, pour nos mamans qui nous ont quittés récemment et spécialement pour Amandine. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Très belle et sainte journée à tous.